Une mairie de plus à l'actif du MCA Burkina, c'est la commune de Ouargaï dans le Koulpelgo qui en est la bénéficiaire. Un bâtiment répondant aux normes internationales et tout équipé. Et puis des autorités locales bien heureuses, c'est ce qui a été donné à voir le week-end dernier. Retour sur l'événement qui a marqué Ouargaï avec Kassoum Sory. Un bâtiment à rez-de-chaussée composé de 11 bureaux entièrement équipés, une salle polyvalente de 350 places, des toilettes externes répondant à toutes les commodités et des bacs à ordures. C'est le nouveau cadre de travail qui s'offre désormais aux élus locaux et aux travailleurs de la mairie de Ouargaï. Une amélioration qui va certainement leur permettre de mieux remplir leur mission. Désormais, les problèmes de développement de cette commune seront discutés dans ce bâtiment. Pour qu'un agent travaille très bien, il lui faut d'abord un cadre de travail bien approprié. Et je pense que ce cadre-là répond à cet aspect-là. 300 millions de francs CFA, c'est le coût de cette réalisation financée par le Millennium Challenge et Compte. Cette infrastructure a vu le jour grâce au projet sécurisation foncière. L'objectif, c'est de permettre à toutes les couches sociales, les acteurs du développement, qu'ils puissent se réunir dans ces joyaux-là pour parler, discuter, former. Et on aurait souhaité que la mairie puisse en prendre soin et qu'il y ait un budget voté chaque année pour l'entretien de ces joyaux. Pour ce qui est de l'entretien du joyau, 2 millions de francs CFA sont déjà prévus par le conseil municipal. La nouvelle mairie de Ouargaï fait partie des 16 autres réalisées par le MCA Burkina.